Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play The Lord of the Fallen pour l'épisode 4. La dernière fois on s'était arrêté après avoir passé cette porte et on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien. Par ici. Vous allez le réveiller. Faites-moi sortir d'ici. La clé du geôlier est juste derrière vous. Non. Si vous ouvrez la porte, le bruit réveillera le monstre dans ma cellule. Peut-être que je peux vous tirer de là tous les deux. Je n'ai aucune intention de le libérer. Ok. Pourquoi ne pas vous faire tous les deux sortir? Le bruit de la porte va réveiller les monstres derrière nous. Un seul de nous deux peut s'en tirer, celui dont la porte sera ouverte. Que se passe-t-il ici? C'est à cause de lui que nous croupissons ici. C'est lui l'assassin. Mais n'arrête pas de me faire porter le chapeau. Parce que l'assassin, c'est toi. Je dois partir. Alors, on va déjà ouvrir ce coffre. Donc là, c'est là où on était. Alors, il y a... J'ai le choix. Donc, soit j'ouvre cette porte et il survit, soit j'ouvre cette porte et il survit. On va checker un peu le reste de la cellule pour voir. On va plutôt prendre celui-ci. Il avait un drain de magie, d'accord. Mon arme lui fait quand même assez mal, hein. Alors, l'anneau drain de magie, à quoi il sert ? Prendre celui-ci plutôt. C'est l'armure intermédiaire. Je deviens trop gros, enfin trop lourd. C'est du trop lourd. Toujours trop lourd. Comment ça se... Ah oui, celle-là elle est quand même meilleure. Je comprends pas comment, mais pourquoi pas. Non, pas de bouclier, c'est bon. Un casque plus lourd. Mais qui est meilleur que celui-ci? Celui-ci. D'accord. Un catacombe du monastère, ok. Donc voici notre personnage. On va ouvrir cette porte. Donc ce sera certainement encore une vidéo de 30 minutes. Donc je ne sais pas le vrai chemin où il est. What? Je suis mort? Ah ouais, d'accord, il fait des dégâts. Hey l'ami, cadeau. Non mais il fait méga mal. Je suis pas censé être ici, c'est ça? On va le tuer tranquillement. Ouais, ça fait mal. Thank you.
C'est pas facile quand même, hein. Mes ouvriers ont commencé à rebâtir les fondations de l'aile ouest. Nous pensions connaître notre monastère comme notre poche. Il recèle bien sûr de nombreux secrets, mais chez nous avons découvert des couloirs au tréfond de la terre. Ça ne ressemble à rien au monastère que nous connaissons. Il devait être construit sur autre chose de beaucoup plus ancien. Peut-être même plus ancien que les juges. Non, plus ancien que les juges, je pense pas. Vu que les juges, je crois que c'est les sortes de dieux du jeu. Dieu jugeur. Pas pour rien que c'est un juge. Il s'est soigné, il est comme ça lui. Tout d'un coup, cette zone m'a l'air un peu plus difficile. Je sais pas si c'est ici ou si je dois retourner là-haut. Elle a l'air d'être ici finalement. Elle a l'air d'être un peu trop au niveau. Hein. Ouais, c'est un peu trop au niveau pour moi. On va quand même essayer d'aller faire le maximum hein, de cette zone. Même si c'est pas mon niveau. Ce monstre paraît plus doué d'instinct que de conscience. Il ne cherche qu'à tuer. Il y a quelques semaines, j'ai trouvé un marteau qu'il semble redouter. Cette arme doit être imprégnée d'une magie que je ne comprends pas. S'il fait trembler pareil monstre, j'ai tout lieu de le craindre moi aussi. Mieux vaut le conserver à double tour dans la cellule rouge. Attendez, je vais faire une petite ellipse pour voir si c'est vraiment... Vraiment pas de mon niveau ou si je dois vraiment être ici. Allez, petite ellipse. Me revoici, donc j'ai la confirmation que cette zone c'est pour plus tard. Allez, on se casse. On part tout de suite de cette zone parce que c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, on a récupéré quelques petits objets, comme ci, comme ça. Voilà quoi, c'est bien. Mais non, non. On va tout de suite remonter et on va partir vers la zone où on était censé aller. Ah, les ennemis sont réapparus, bien entendu. Et c'est du two shot. Aïe. Over. Je sais, j'ai fait n'importe quoi là. Donc on va remonter pour aller à la suite de la quête. Hey mon ami! Voilà. Désolé s'il y a eu un petit lag là. Petit freeze là, j'ai pas compris pourquoi. Reprenons un peu de potion et tout. Et on va mettre nos points. J'ai actuellement assez pour mettre. Ouais. Pour mettre deux points. Un point en agilité et un point en foi. D'accord. Donc niveau 23, d'accord. A-t-elle quelque chose à dire? Encore vous? Non, elle a rien à dire. La place des juges. Donc on va continuer à l'endroit où on est censé aller.
Donc normalement tout ce qui est annexe pour le moment j'ai tout fait sur le chemin. Je connais pas le jeu, je connais pas les trucs annexes, etc. Donc, et je me suis pas spoilé sur la suite, si c'est ça que vous voulez savoir. Oh, le portail. Pour avoir tué le boss. Et voilà. Donc c'était pas si difficile que ça. On va suivre cette lumière. Le coffre est verrouillé, d'accord. Je peux pas arriver à temps, c'est ça? Voilà, en trois coups ils sont tués, c'est vite fait. Il faut vraiment que je me dépêche quoi. On va se re-soigner tout de suite. Et on sprint. Désolé si vous voyez rien, je vois rien non plus. Éclat de feu, donc qu'est-ce que j'ai vu ici? J'ai vu une arme. D'accord. Une arme 2, c'est du fou, c'est de la foi. Ok, donc on va reprendre celle-là. Voilà aux yeux. Et on retourne dans l'autre monde. Donc ce portail est actif et a été fait. Désolé si ça tourne un petit peu. D'accord, il faut que je le fasse balancer sur mon clier. Gilet ensanglanté. On va faire un peu le petit tour. Je dois parvenir à la tour relais, de l'autre côté du cimetière. C'est du suicide, mais... j'ai pas le choix. C'est notre seul espoir d'être secouru. Si tant est qu'il reste encore des secours. Un coup puissant. On se les fait tous. Tous. Voilà.
Ils me font tellement plus rien ces ennemis, c'est... C'est n'importe quoi. Ah, mes yeux. Trop de lumière. J'ai 1100 points, probation du personnage. Attribut. Un point de plus, et ensuite on sort. Non, encore attribut. Il faut que j'ai 15 de fois. Je vais voir si j'ai assez de place pour mettre mon bouclier. Ah non. Et là, normalement, j'ai assez pour mettre mon bouclier. Voilà. Je dois retrouver Caslo. Bon, on va prendre l'autre chemin, celui qui était en dessous. Ça prend un peu de place dans mon disque dur, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La flûte, il m'a vu. C'est ma quatrième nuit de garde. Les trois premières ont été calmes. Hormis les rumeurs qui circulent parmi nous. Des rumeurs sur les regards. Ils n'ont pas été repérés. Mais l'horizon est luisant. Les villages sont en flammes. Et le feu risque de s'approcher. Je doute que le calme persiste encore longtemps. Ok, d'accord. Donc il faut que je passe par l'escalier qui est là-bas. La situation est légère. Les villageois s'attroupent devant le monastère pour exiger l'asile. Nous ne pouvons plus en laisser entrer. Nous allons mourir de faim. Antanas nous a ordonné de fermer la porte. Je comprends ses raisons, mais ce sont des habitants. Ils devraient être leur sauveur. D'accord. Donc j'ai vu aussi pour les murs secrets, si jamais il y a des murs secrets, si jamais j'en trouve. Mais je sais pas comment les trouver, les murs secrets, justement. Je sais pas comment les différencier. C'est ça le petit problème. Donc on est au mémorial, ouvrons cette porte, si je peux, elle est verrouillée, donc je ne peux pas. Allons voir par ici s'il y a quelque chose. Oh, il est résistant lui, hein. Il n'y en a qu'un, ça va. Cadeau! Très résistant. Ok. Ok. D'accord. J'ai rien dit. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien dit. J'y n'y suis pour rien. Le coup qui m'a mis. C'est incroyable quand même, hein, les dégâts. Ah, les dégâts! Je me demande si c'est pas un boss en fait, lui, un petit boss optionnel. J'attends que le sort se régénère. Voilà. D'accord, il faut qu'il reste immobile, ça j'étais pas au courant. Un dernier. Faut pas que je me fasse tuer avant. Je suis en train de jouer avec lui là. Non, c'est lui qui joue avec moi plutôt. Faut pas que j'inverse les rôles. Hé, l'ami, cadeau. Là par contre, il y a eu un bug. Il était passé au travers, t'aurais pas dû.
Ça va, sa vie se régénère pas tout de suite. Il triche. On reprend son calme. Non mais là c'est... Il a tout compris, il est free. Je te laisserai pas avoir free. Tu mourras avant. Vilain bête. Non mais là ça va pas, là c'est pas... T'es pas autorisé. Mal quoi. Je vais essayer de le passer mais c'est chaud hein. C'est chaud. Hey. Ah, j'arrive pas à le toucher. 4 par 4. Attendez. C'est pas facile hein. Ah, c'était prévu. C'est pas facile hein, pas facile. On va essayer de battre celui-là pour voir si... S'il va revenir après. Très dangereux ce que je fais là. Attaquer au corps à corps. On dirait que c'est la seule chose qui marche. Aïe. T'as pas le droit. T'es pas assez gentil pour faire ça. Pourquoi il court? Je vais attendre qu'il revienne. Non, vous allez bien, tranquillement. Ah, pas assez loin. Hey. Là, on a un mémorial. Non, mais reviens! Oh là 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 là. Il est vraiment dur. Je sais pas si c'est un ennemi ou un boss celui-là. Enfin, ou un mini-boss, mais... Il fait assez mal. Non mais pourquoi à chaque fois il recule?
Hey, hey. T'es du mauvais sens, la bille. Oui, enfin. Il donne beaucoup d'XP quand même, hein. Il donne beaucoup d'XP. I. F. Pas assez d'XP encore. Entrée arrière. Ok, j'ai compris. C'est pas par ici. C'est pas par ici. Bon bah, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'était Zeus Dead pour le Titipan HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.